Salut, c'est Benny Camille de la chaîne Booking Gang. Aujourd'hui, on découvre une nouvelle box. La Kawaii Melody Shop. Bon alors, les facteurs ne savent pas que quand il y a écrit fragile, ça veut pas dire ballon de foot. Il y en a qui ont un peu des difficultés. Ouais, elle a pris un peu cher, elle a été remballée, etc. Avec, avec le scotch fragile écrit en gros dessus, le truc qu'il est à moitié ouvert, c'est rafistolé. Ça ne ressemble à rien. Enfin bon, on va peut-être commencer cet unboxing. Bah après, je pense que ça peut le faire comme ça. Hein. Espérons que rien ne soit cassé, parce que s'il y a fragile, c'est qu'il y a du fragile. Tu veux pas avec ça? Non, c'est bon, c'est bon. Ça se trouve, la box est cassée après. Ah, il y a un papier, je sais pas si c'est un résumé de ta box. Attends, est-ce que c'est la facture? Est-ce que c'est... C'est la facture. C'est la facture, donc c'est 27,50€, faites-toi inclus. D'accord. Avec du coup, le petit logo de Kawaii Melody Shop. Donc, à l'intérieur, c'est un petit papier rose, comme ça. Un peu comme la sauce Kawaii. Ouais. Alors. Je pense qu'on va essayer de... Attends, j'ai un petit doudou. Oh! Oula, c'est quoi? C'est un petit Shiba Sakura. On dirait un des Shiba qu'on avait eu. C'est pas un Chihuahua plutôt, parce qu'il a une tête vraiment bizarre. Bon, c'est un petit chien. Avec un petit côté Sakura, un petit. Oh, c'est mignon. Ça ressemble à peu près à ce qu'on avait eu dans la. Comment ça s'appelle? Les Gashapan là, de Danny Unbox. Un petit peu, effectivement. Tu là, cherches quoi? Petit renard. Je regardais, parce qu'en fait, je cherchais le Kolilakuma. Les capas. Hop! Qui a sa petite tenue rose aussi, et il y avait la petite Hatsune Miku avec son petit fleur rose, ça faisait vraiment ça. Donc je trouve ça mignon. C'est assez simple. Après, ce que je trouve dommage, c'est qu'en termes de qualité, je trouve que celle qu'on avait eu, enfin le Shiba qu'on avait eu dans les petites Gashapon était un petit. Enfin, bref, ah, je vais chercher. Avoir du chien, mais était un petit peu mieux. Là, je sais. On va chercher comme ça, on va comparer. Du coup, voilà, donc ça c'est celui qu'on avait eu dans la Neon Box, mm-hmm. Un petit Kitsune avec le petit papate, le petit trou du cul, ouais, parce que sinon c'est pas japonais. Plus mignon. Oh, ça va, franchement je trouve qu'il est mignon, il va dans le décor, il va avec Hatsune Miku. Oh, bah j'aurais préféré l'avoir dans un petit gachapon, tu sais, histoire de l'ouvrir, d'avoir un petit choix et tout. Oh mais après ça reste sympa, non franchement ça reste chouette, c'est juste qu'on a pas ouvert un gachapon, moi je trouve sympa. Bah du coup t'as le chien pour elle quoi. Bon ouais, bah voilà. Ouais. Moi j'aime bien. Ah toi aussi, petit... moi oui. Oula c'est un tout petit truc, je sais pas si ça se mange ou c'est une gomme, ça va être une gomme je pense. Ah une petite gomme mochi lapin. C'est quelque chose comme ça, je pense. Je ne sais pas combien qu'on est censé avoir 10 thèmes dans cette box. Je sais pas non plus, parce que c'est donc, en fait une boutique en ligne qui propose sa toute première box. Oui, c'est ça, c'est un petit mochi. C'est mignon. C'est mignon. Je sais pas en quelle texture non, que c'est. C'est une sculpture. C'est pas comestible. C'est une petite sculpture de petit lapinou. Ouais, ça doit être en. Je pense. C'est pas mal. En ça résine. Va, c'est pas mal. C'est mignon. J'achèterais pas ça. En magasin, mais avoir ça dans une box, pourquoi pas. Sachant qu'on a pas mal de trucs avec la Neon Box, etc. On commence à avoir un petit décor qui peut correspondre à ça, donc pourquoi pas. Pour l'instant, c'est mignon, sympa. Ça va. À voir après dans l'ensemble. Des oula, baguettes. Oh, elles sont belles. Elles sont vachement belles. Avec... En fait, la thématique, c'est Sakura, je pense, indirectement. Moi, bon, indirectement. Même si là, c'est plutôt des fleurs pardon, de prunier, avec des petites paillettes sur les baguettes. Je sais pas comment ça rendra. Elles sont jolies. Elles sont vachement belles. Elles sont très chouettes. C'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça peut mettre dans les cheveux et tout. Non, vrai. Pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Ça, les cheveux longs, en plus. Non, pour l'instant, j'aime bien. Alors, je vais prendre ça. Oula, c'est gros, ça. Ah, ça va être de la vaisselle, je pense, si on se réfère à la Neon Box. Non, je sais pas dans quel état c'est, j'appréhende vachement. Ah non, c'est. Je vois un petit truc. Un peu comme on avait c'est eu le petit, petit chien. Un petit Shiba ou quelque chose comme ça, ou un chat. On avait eu chien et Shiba à Neon Box. On est dans la vie du rat, donc ce serait. Ah, on avait eu aussi un rat d'ailleurs avec Neon Box, enfin une petite poulie plutôt. C'est bien emballé. Ah oh, il est mignon! On aurait eu ça dans la New Unbox, ça aurait été tellement ouais, à propos. Ça fait leur petit Manekineko mascotte. Spécial du coup Sakura. Ah, il est sympa. Elle est jolie. Ah, en étant un peu. Pas nacrée, mais comment ça s'appelle? Avec du vernis dessus. Laquée, ouais. Voilà. Ouais. C'est bien. En plus, elle est pas abîmée. J'appréhendais vachement là-dessus. Non, je sais pas comment elle a fait pour survivre. Même son carton a pris juste un pet sur le côté, mais. Attends. Elle a survécu. Ah, je croyais qu'il y avait écrit 666. Non. Par contre, il y a un petit papier au fond. Je sais pas, c'est écrit en japonais. Ça doit peut-être expliquer le pourquoi du comment. Un petit porte-bonheur, machin. En tout cas, il est très mignon. Alors là, j'aime bien le côté vernis, du coup. C'est des tout petits items, mais c'est des items très mignons pour le moment.
Bon, ça fait plein de petits clips. Oh, bah, là, petits... c'est quoi? Bah, des voilà, petits stickers Sakura, éventail, etc. C'est vraiment des... C'est pas juste des trucs à mettre au fond des enveloppes, etc. où ça se colle pas, mais tu sais, histoire de faire quelques confettis, c'est pas ça? Ou pour mettre ça sur des tables, ça en mode. Je ne sais pas du tout, tout est écrit en japonais. Mais soit c'est des petits confettis, soit c'est des petits autocollants. J'aurais tendance à dire des autocollants. Possible. Mais en tout cas, c'est joli, c'est ouais, mignon. Ouais, t'as feuille de prunier, de sakura, un petit mont Fuji avec un sakura dessus, deux types d'éventail. C'est mignon. Franchement, je suis désolée, c'est mignon. C'est vrai, ça va. C'est franchement, c'est cool. À toi. Oh, des chaussettes. J'aime bien les chaussettes comme ça, moi. Elles sont flash. Alors là, tu rates pas que t'as les chaussettes. Bah, tu vois, je pense que c'est ça la thématique. C'est ouais, c'est ça, Sakura. Ouais, c'est Sakura, parce qu'en fait, la box était prévue en février ou mars, avec bon, les importations stoppées depuis la Chine, l'Asie, etc. Le confinement, le marchand, le bidule. Bah, du coup, on reçoit mimé. C'est mignon comme chaussette. Moi, j'aime bien ce genre de chaussette. Benjamin n'aime pas du tout. Je l'ai jamais porté, mais. Oh, regarde. Comme ça, c'est pas beau. Avec le petit lapinou. Un petit lapinou mini là sur l'étiquette, moi j'aime bien. Bon, bah tu t'es satisfaite. Tout dans le rose. Ah attends, il y a encore une vaisselle. C'est bon, regarde ça. Attends. Dernier item. Ça fait pas glong-glong, donc ça doit être en bon état. Ça n'est pas cassé. Je ne sais pas comment. Elle a protégé. Ah, un verre. C'est vachement. Oh, il est C'est en plastique ou. C'est en vert-vert, j'ai l'impression. En vert-vert. Enfin. Oh. Ah oui, c'est du vert. Ça fait son poids en plus. C'est joli. C'est pour le thé, c'est pas mal. Elle est vachement belle. C'est pas mal. Une petite tasse en verre. L'imprimé, je pense qu'il va vite partir au lave-vaisselle, donc vaut à mieux le laver à la ça, main. Mais finalement, au lave-vaisselle, il y a tout qui tient, même ceux qui sont. Ouais, mais là, ça, quand tu sens, il n'y a pas vraiment de couche de vernis. Par Oui, le sticker est posé. Ouais. Parce que des fois, en fait, sur certains produits, il y a le matériau de base, on va dire plastique, il y a le sticker et il y a une autre couche de plastique. Mais celle-ci, on va plutôt le laver à la main. Il est super beau. J'aime bien le côté comme si c'était travaillé comme pour le métal. C'est pas mal. Le côté avec les facettes là. Ouais, c'est à l'intérieur. Ah, j'aime beaucoup. C'est simple, mais. Ah. J'aime bien. En plus, au fond, on voit qu'il y a encore une fleur avec une petite feuille. Montre. Tu vois, rien. Ah oui. C'est pas juste sur le côté. Non, c'est pas mal. Franchement, ouais, c'est cool. Je sais pas si on verra pour faire les comme photos, ça. Mais c'est. J'aime bien. Alors du coup, on va peut-être faire un petit résumé. Donc, Hatsune Miku n'y était pas, le petit Kitsune non plus. Du coup, on se retrouve avec le joli verre. Vraiment, il est très bien. C'est vraiment une tasse. Bon, les sockets, tu veux des sakura, t'as des sakura. Les petits stickers qui sont mignons. C'est vrai. Tu peux tenir le verre et les chaussettes. Oui, bien sûr. Oups. Le petit Shiba Chihuahua, on va dire un Shiba Wawa sakura. Qui a le mérite d'être mignon, tout de toute façon, au pire, on nous dira en commentaire, c'est la race de machin. Bah, il y a la petite queue du Shiba, hein. Je pense juste que c'est un design. Oui, c'est vrai, ça va être un peu plus différent. Ouais. Sinon, c'est un crossover entre un Chihuahua et un Shiba. Donc, c'est possible, un Shiba-Wawa. Et le petit Maneki Neko. Qui est fort sympathique. Et les baguettes. Oui, les baguettes. Qui sont très belles. Moi, j'aimerais bien les mettre dans mes cheveux. Non, sincèrement, bon, 27,50€. C'est un peu cher pour le contenu. Je trouve que juste pour ça, c'est vraiment excessif. Parce que je pense que c'est. Enfin, on peut trouver ça, c'est sur au Japon, même sur Internet, tu vois, pour un moindre coût. C'est excessif, contre, mais les goodies des sont produits. Pas non plus. Les goodies sont quand même plutôt de bonne qualité, variés, jolis. Enfin, c'est de l'utile. Il y a un peu de déco. Il y a de l'idée dans les items. C'est pas non plus. C'est pas des items trash tier vraiment. Je sais pas, il manque quelque chose, un item en fait assez mastoc pour être vraiment le cœur de la box. Là, je trouve que le cœur de la box pour moi, ça doit être ce verre. Ouais, je sais pas. Qui a survécu après Je sais pas. Bah en fait, tu vois, comme on prend régulièrement la Neon Box, enfin la vaisselle normalement, c'est vraiment ce qui gravite autour de la peluche ou de la figurine. Du coup, pour moi, j'arrive pas à voir ça comme l'item principal. Je pense pas. C'est pour le prix de la Neon Box. C'est l'item le plus lourd. C'est l'item aussi qui a le plus de valeur, je pense. Non, je trouve qu'elle est quand même assez excessive. Mais bon, après, c'est justifié parce que c'est une plus nouvelle, c'est pas une grosse boutique, donc peut-être elle a pas les prix. Mais 27,50€, franchement, il y a quand même 6 items différents. Plutôt mignon. C'est frais de port inclus en plus. Donc franchement, ça fait que la box, en gros, elle est à 20€, enfin à peu près. Ça va. Franchement, je trouve ça va.
à pas prendre régulièrement, parce que ça reste quand même excessif pour moi, je trouve. Enfin, tu vois, la New Unbox, je trouve qu'on s'en sort, là, c'est vraiment excessif. Mais la New Unbox, des fois, on a des systèmes trash, quand même. Ouais, mais... Là, tu vois, il n'y a rien acheté, tout le monde. Bah, de toute façon, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Il y a le lien de la box en description. Hein. Mm-hmm. Mais c'est vrai que, enfin, elle est quand même plutôt quoi. Je veux dire, les items sont quand même beaux, il n'y a pas de trash tiers, ils ont survécu à des péripéties, on n'imagine même pas ce qu'ils ont traversé. Bah, on se sent pas arnaqué dans le sens où on a pas quelque chose de complètement... La thématique est respectée à 100%. Oui, il y a une thématique. Ouais. Les chaussettes, bon, bah, c'est qualité chaussettes qu'on peut trouver ici, mais avec une forme japonaise. Des stickers, bon, ça coûte pas très cher, mais au moins ils sont jolis. Ils on trouve ça bien dans la plupart des box, donc bon, on va pas non plus critiquer. Le Shiba, on aime ou on n'aime pas. Je trouve qu'il est par contre d'une qualité un peu moindre, comme je l'ai dit au début de la vidéo, par rapport à ce qu'on a pu avoir dans les gachapon. Donc bon, voilà. Le vert pour moi est de très bonne qualité, clairement. Le petit mannequin Echo, je le trouve très 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 sympa, bonne qualité, aucun défaut de peinture, enfin très sympa, vrai. Son petit coussin tout mignon. Et les baguettes. Et les baguettes qui sont très très belles, enfin moi je suis plutôt satisfaite, je pense. Je sais pas si je prendrai une autre box, je pense que ça dépendra... Je sais pas, pour l'instant je sais pas, donnez-nous votre avis dans les commentaires. Bah après le point positif c'est qu'il n'y a pas forcément de thématique, tu sais, il n'y a pas de Naruto, de machin, enfin tu vois les Oui, il n'y a pas des licences Naruto, Totoro, etc. Là, elle a sur réussi le à côté faire traditionnel une box. Japonais ouais, que j'aime bien moi dans la Neon Box. Bon, mais ça c'est bien. J'aime bien les goodies à licence évidemment, mais ce que j'aime bien sur la Neon Box c'est les goodies traditionnels entre guillemets, donc les petites chaussettes, les petits bouddhas, j'adore le petit bouddha qu'on avait eu un peu en argile là. Enfin, peut-être pour améliorer la box. Peut-être justement aller sur des... Prendre un chemin en fait qui n'est pas exploité par les autres grosses entreprises, enfin plus tourné pour faire découvrir le Japon. Plus le traditionnel, plus le système après. Bah ça, ça serait bien, c'est ouais. Traditionnel que grosse licence, ce type Naruto, One Piece... Et peut-être faire comme Exploratologie où elle mettait plus ou moins un petit texte écrit à la main, pourquoi elle a pris tel item, etc. Ouais, pour faire différent que par exemple Neon Box ou Woodbox où ils ont juste à mettre bon bah vous avez ça, c'est limite le prix et puis bon bah voilà quoi. Bah, Woodbox ils mettent le prix, Neon Box ils mettent quand même un petit descriptif de pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis. Et ça pourrait peut-être faire le petit plus pour se différencier des autres. Enfin, après ce n'est que mon avis, hein, je vois ça comme ça. Ouais, ça peut être mais ça. Voilà. En tout cas moi je suis plutôt contente parce que c'est vrai quand on a vu le carton, quand on a vu la taille du carton, le poids du carton, l'état du carton, on s'est dit... Bon bah on va voir ce que ça va donner quoi. Et en fait sincèrement je suis plutôt satisfaite, très agréablement surpris et plutôt satisfaite de ce que j'ai obtenu, enfin je suis très contente. On vous cache pas qu'on a eu peur. Ouais mais voilà, dites-nous ce que vous en pensez, vous de cette toute nouvelle box, là c'était la première, elle en a vendu que 5, vraiment elle débute de chez débute. Donc n'hésitez pas juste à aller faire un tour pour regarder un peu ce qu'elle propose et puis donnez-nous votre avis, ça peut être des pistes aussi pour améliorer. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On vous dit à une prochaine. Salut, salut, salut.